Et salut à toutes et à tous, ici Petit Seb, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite un bon retour sur Resident Evil 0 où j'ai calmement garé le train en gare et où donc on va pouvoir continuer à visiter. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. On remarquera que j'ai aussi l'audace de ne pas utiliser le fusil à pompe. Pas forcément un bon choix, mais bon. Bonjour, est-ce qu'il y a des choses cachées dans l'eau? Apparemment, il n'y a rien de caché dans l'eau. Voilà. On grimpationne à l'échelle. Research Center? The first general manager, Dr. James Marcus. Who on earth are those people? She's just a rookie, a member of STARS. What about the male? I'm unfamiliar with him. Attention! This is Dr. Marcus. Please be silent as we reflect upon our company motto. Obedience breeds discipline. Discipline breeds unity. Unity breeds power. Power is life. Who are you? It was I who scattered the T-virus in the mansion. Needless to say, I contaminated the train, too. What? Revenge on Umbrella. Ago, Dr. Marcus was murdered by Umbrella. You helped them, didn't you? Ok. Ce type est complètement cinglé. Déjà Quesker l'est, lui. Lui, encore pire. Bon, alors, on a quoi ici? Là, rien. Ah, là, on a de quoi sauvegarder. Des munitions supplémentaires. Donc je suppose que ça va être la zone un peu safe comme dans l'entrée du manoir de Resident Evil 1. Voilà. Ça, je vais pas le prendre. Voilà, c'est juste pour le... Et ça, je vais... En laisser un ici. Alors, voyons voir. Donc ça, c'est là où j'étais avant. Je suis arrivé ici, le train. Là, c'était bloqué par des flammes. Là, j'ai tous les objets que j'ai laissés. Là, j'ai grimpé. Je suis arrivé là. Porte de chaque côté. La porte est fermée. Et... Ah oui, il y a un étage, mais je ne suis pas encore allé. J'ai pas la carte. Ah oui, là c'est verrouillé par les épées des chevaliers, hein. Comme s'ils pouvaient pas les relever eux-mêmes. Alors là j'ai encore du soin. Voilà. Au-dessus, si je me rappelle bien, au-dessus il y a des petits
petite salle à visiter. Et quand je dis petite, je veux dire c'est juste une salle, on visite et puis on ressort. Alors le balcon fait le tour. On peut sortir par la fenêtre ? Ok, on peut pas sortir. Mais elle dit qu'il pleut plus dehors. Apparemment les portes de l'autre côté sont verrouillées. Et j'en ai deux qui ne sont pas ici. Allez voir. On va aller voir. Voilà. On va partager un peu parce que c'est elle qui récupère toutes les munitions depuis le début. Voilà. Un document. Document très vieux, quasiment illisible. Donc dans des salles de réunion, salles de contrôle, salles de conférence. Le code d'accès est 8h15. Encore un truc à faire avec des horloges. Est-ce qu'il y a autre chose par là ? De l'autre côté de la table ou dans la cheminée. Je peux allumer la cheminée, j'ai vu que Billy avait un briquet. Non, c'est ça que je vais faire, c'est ça. Allez, donne-moi Billy. Apparemment je peux pas l'allumer. Et j'ai ça là. Une poignée de porte. C'est une manivelle. Hop. Alors j'avoue que je me suis rappelé qu'il y avait les oiseaux, enfin les corbeaux qui attaquaient à ce moment-là, et une fois qu'on a tout récupéré, ben ça sert à rien de rester dans la salle. Du coup, autant se dépêcher d'aller de sortir, tout simplement. Voilà. Une manivelle avec un bout carré. Balance. L'air d'avoir d'ennemis ici. Ah, j'ai encore une sauvegarde. J'ai accès qu'à une seule porte apparemment. Il y a des cartouches là-bas. Il y a un document ici. Faut que je sois de l'autre côté apparemment. Bonjour, petit document. Pour les stagiaires, former la nouvelle génération d'employés modèles qui assurera l'avenir d'Umbrella Corp. C'est un critère strict et rigoureux, sans distinction de sexe, blablabla. Développez vos capacités de leader, discipline, obéissance, unité. Bla 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 bla. Enfin bref, voilà quoi. C'est que de la discussion, de la discussion, de la discussion. Une chose par là. Il me faut un disque pour ça. Apparemment. Alors j'ai bien envie de faire quelque chose. Genre, je vais encore récupérer les balles avec elle. Non merci. Et monsieur va récupérer les cartouches. Ah oui, autre chose. En
entre les deux épisodes, j'ai combiné la bouteille avec le bidon d'essence et ceci m'a donné 3 cocktails Molotov. Une bouteille, un bidon d'essence, 3 cocktails Molotov. Je répète, un bidon d'essence, une bouteille, 3 cocktails Molotov. Comment on peut faire 3 cocktails Molotov avec une seule bouteille? Et je sais pas, c'est une question sérieuse. Hein. Enfin bref. Allez. Donc de ce côté, il n'y a plus rien. Là, c'est la porte par laquelle on peut passer. Là, c'est fermé par les épées. Et là, c'est verrouillé depuis l'autre côté. D'accord. Alors, ici. Vu le nombre de balles que j'ai, je peux m'amuser à les descendre. Ici, ça s'est fermé. Une jolie porte bien rouge. Symbole du feu. Je fouille totalement au hasard. Alors, ça se trouve, c'est pas du tout le bon endroit où il faut que j'aille. Peut-être que si c'est ce qui est là-bas, ça me... Ah, un plan. Le plan d'abord. Une cour avec un charge. Ah oui, pour le toit, d'accord. Ah oui, il y a le toit. Ah oui, là il y a l'ascenseur ici qui vient de là aussi. Là ça redescend ici. Mais c'est fermé. Voilà, les petites salles, c'est bien ce que je disais. Il y en a une là, celle-là, qui sont toutes petites. Là c'est fermé, là c'est ouvert, mais il faut rentrer par là, c'est fermé. Ok, donc il faudrait que j'aille fouiller par là et par là. Ah non, là ça fait descendre. D'accord. Ça doit faire descendre dans une autre zone alors. Ok, donc faut que je fouille en bas la porte là. Je vais quand même aller fouiller de l'autre côté aussi. Après avoir fini de fouiller cette zone là. Les rubans, j'en ai assez. Hein. Microfilm A. Et là, je viens de me rendre compte de l'énigme la plus débile du monde. Que faut-il faire pour ouvrir cette porte-là qui est fermée, hein? On l'a vu sur la carte. Voilà. Sachant qu'il y a une torche ici. Et qu'il y a le même gars ici qui est en train de l'allumer. Essayons donc d'allumer la torche, ça risque pas d'être ça. Comment ça j'en ai pas besoin? Aïe, c'est le briquet qui est vide. J'avais oublié ce détail. Bon, à demi-tour. Non, je suis pas allé voir de l'autre côté. On dirait que le trou est carré. C'est ça. Non. Magnifique. Qui est-ce qui reste en bas? Qui est-ce qui monte? C'est Rebecca qui a le plus de munitions. C'est Rebecca qui va monter. You stay here. Yeah. Ouais, je fais plus de 180 balles quoi, quasiment 190. Petite centaine, 90 à peine, même pas une centaine. Hello.
Wow. Tu dégages, tu dégages. J'aurais peut-être mieux fait de prendre le fusil à pompe au final. Oh, l'ascenseur s'est cassé, c'est vrai. Bon, on peut plus redescendre. Rester ici, ça sert à rien. En plus, j'ai gardé la disquette sur Rebecca, alors que j'aurais pu l'utiliser en bas, là. Ok. Vive les conneries. C'est magnifique. J'ai pas de place sur elle, quoi, quasiment. Lâche. Peut-être faut que je leur mette deux balles et que j'essaye de me tirer. Je suis toujours en attention. Ce qui est très bien, ça m'arrange. Tant que je deviens pas en danger, j'ai pas besoin de prendre de soin. Mais il faut que je fasse attention quand même. Pas être trop loin du danger et me faire tuer bêtement. Ça serait idiot. Il me semble que c'est un balcon ici. Du coup, il y a peut-être des corbeaux. Ça va être relou. J'ai pris le soin. Et je peux rien transférer du coup. Parce que mon autre perso est trop loin. Geronimo. Allez. Mince, je me suis raté. Non, c'est pas moi. Je suis en attention. Non. Je me tire d'ici, je vais me faire tuer. Bon. Merci. Et comme je suis rancunier, je vais aller tuer ces oiseaux. Voilà. Et voilà. Je les ai tous dessoudés. Prendre du soin. Mais étant donné que maintenant j'ai tué les oiseaux, je peux revenir quand je veux le chercher
Ah oui, c'est vrai qu'avec elle, je peux pas pousser les trucs. Allez, descends. Elle voulait plus descendre. Ça me fait peur, ça. Hop, un petit tour sur Billy. Tac. De toute façon, si je reprends la carte, Rebecca est là, elle va descendre ici, donc elle va arriver là. J'ai vérifié ça, mais la porte doit être verrouillée depuis l'autre côté, quelque chose comme ça, et du coup, je vais pouvoir l'ouvrir tout seul, tranquillement. Voilà, c'est ça. Donc, il faut que je revienne avec Rebecca. Allons-y. Il y a une piscine, là. Plusieurs. C'est grand ici. Encore une porte fermée avec des épées. Ouais, des escaliers sans animation. Vous avez retrouvé Billy. This way. Yeah. Voilà. C'était juste dégagé de devant la porte. S'il est pas gentleman un peu celui-là. Et voilà. Ça me fait de la place. Et bien sûr ce, ben moi je vais arrêter cet épisode juste là. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter la vidéo. À me suivre sur Twitter et Facebook, les liens sont juste en dessous dans la description. Et nous, on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures de Rebecca. Salut tout le monde! Hey, watch out!